Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et nous retrouvons donc les Girondins de Bordeaux contre en avant Guingamp. Bonjour Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Oui, salut Grégoire. On attend beaucoup de ce match, espérant qu'il tienne toutes ses promesses. Découvrir les choix des deux entraîneurs. Et c'est parti! Sans carré maintenant. Brillant. Oh, quelle frappe! À quelques centimètres! Oh, c'était pas loin ça, à peine quelques centimètres! C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Ils s'en sortent. Ils récupèrent le ballon. C'était un bon pressing. Dido. Il joue dans l'espace. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Pour trouver la faille dans la défense. Il tire. Dido qui a de l'espace. Marsal. Et la petite feinte qui va bien. Il met le pied, ballon récupéré. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Une très longue passe. Ils obtiennent la touche. Il décide d'allonger le jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'était une meilleure finition. Quel timing dans l'interception. Il centre de loin. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. S'il le trouve, il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Un long ballon vers l'avant. Marsal. C'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Le gardien loin devant. Ça joue à gauche. C'est joué long. Voilà qui met un terme à cette première période. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période.
il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Oh, le petit ballon piqué! Tout le long. Long ballon dans le sens du jeu. Bordeaux qui cherche l'ouverture. Brillant. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, quel caviar! Et il est renvoyé par le poteau. Le ballon traîne toujours, attention. Le ballon est repoussé. Ça manque un peu de solution. Il cherche un coéquipier dans l'axe. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Dans le dos de la défense. Ça va soulager un peu. C'est joué long, attention. Oh, si ça passe. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Brillant. Sur l'aile gauche, et il a du soutien. Il choisit la profondeur. Bonne mer. Un long ballon vers l'avant. C'est bien dosé. Il écarte le jeu. Ce ballon dans l'axe. Et il prend sa chance. Il marque. Oh mais alors, quel coup de massue! Et c'est surtout un but qui peut être synonyme de victoire. Quel enchaînement imparable pour le gardien. De l'activité sur les bandes touches, changement peut-être. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Et ça fait donc 1-0. Attention à la fatigue maintenant, il faut pas se relâcher. La longue ouverture sur l'aile. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Et ce ballon vers ses attaquants. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Brillant. Il file au but. Brillant. C'est repoussé. Une très grande ouverture. Tout le long, il allonge, pourquoi pas. Ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et la défaite 1-0. La moindre erreur se paie cash. C'est exactement ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Vous savez, la défaite, ça fait partie d'une saison. Le truc maintenant, c'est de rebondir, c'est de travailler, c'est de trouver des nouvelles réponses. C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalé tous ensemble et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous.